Salutations voyageurs et voyageuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de No Man's Sky, Expédition 11, le Découvreur. Bon. On s'est éparpillé un petit peu pendant les premières vidéos. Là, on va essayer de compléter la phase 2. Et si on fait quelques petites choses de la phase 3 ou 5 en même temps, ben, une chose à faire. On va essayer d'explorer le système de rendez-vous 2. Donc le système dans lequel le rendez-vous 2, si je me souviens bien, ou système actuel, voyons. Donc on va essayer de trouver, on va visiter la planète métallique. Pour aller voir des créatures exotiques. Et on a besoin d'une planète paradisiaque. On va voir les différentes planètes. Ça, c'est une planète isotopique. Ça, c'est une planète. C'est une gamma. Ok, c'est une planète radioactive. Ok. C'est bon. On va essayer d'aller voir aussi la planète verte. Donc, on va aller sur la planète Nunak. Et visiter aussi quelques bases en passant. Et on va prendre le pourpre. Les artefacts anciens me sont où? Oh, ça, plus tard. Donc, est-ce que je me sens l'expédition? Phase 5, deux créatures exotiques. Là, ici, xénobiologie. Monde irrégulier. La planète métallique, c'est le bon endroit pour y aller. Je pense pas que ce soit elle. Pourquoi les descriptions apparaissent pas quand on en a eu besoin? Non, non plus. Peut-être que je suis pas assez avancé. C'est de l'atmosphère. Oh, je n'en ai plus. Dogzat Nanning Farm et Sodium. Oh, bon, je pense qu'il y a juste deux bases. La planète qui nous intéresse. Et de la lave et du port. Et 108 Hunter. Ok. Planète isotopique. Active. Planète verte. Planète ouverte. Non, ça c'est la planète. Où est la planète métallique? C'est la planète cardiaque, il me semble. Elle est pluvieuse. Les deux planètes l'une sur l'autre. Et là aussi, peut-être une des lunes. Lune métallique, c'est bien ça. Encore un commerçant. Oui. De convergence, non, c'est pas ça.
On peut trouver aussi des éléments de décoration aussi. Bon, excusez. Boum! Une manière de freiner. Xénobiologie. J'en avais déjà scanné un lors des premières vidéos sur dans le système de départ. Nouvelle créature enregistrée. Donc si je m'en vais dans le catalogue guide. Ça c'est les mots obtenus, les objets. Merveille. Avec des planètes. Une adresse de portail. Ok. Ça, c'est l'adresse de portail. Donc, ça, c'est les différents animaux. Archive la faune. Archive personnelle, rien de spécial. Archive minerais. Archive la flore. Rien de spécial non plus. On va enlever les points d'exclamation. Créature la plus intelligente. Ok, c'est juste herbivore le plus grand. 4.2. Donc ça m'en prend un 5.2. C'est température interne 42.5. C'est le plus lourd. Et c'est juste... j'appelle... Les best of. La même chose pour la flore, probablement. Auto-activité la plus forte. Résistance aux radiations la plus élevée. Le plus toxique si consommé. Racine la plus profonde. Ah, ok. Donc, si je m'en vais dans les planètes, température la plus basse, moins 59. Non, c'est pas assez froid. Nuit glaciale. Moins que... Pas nécessairement la nuit que j'ai eu cette température-là. Et corrosive. Parfaite. Paradisiaque 78.9. Brix 9. Il me semble que... Oh! Table. Voilà. Vertébriseur. Fissure de lumière. Amas de bulles. Ok, c'est des décorations. On va les mettre dans le vaisseau. Il y a beaucoup de ça. Donc la suite. Édition. Graine de réalité. Gagner des nanites. Il me faut 7700 nanites. Et cadavre d'un... Ah, Corvax, il me manque encore... Deux. Ah, ok. Gardien éternel avec un quotient paradisiaque de 80... supérieur à 80%. Botaniste plante. Découvrir une flore planétaire. Ah! Végétal. Ça, c'est fait.
latérale. Relique souterraine. Ok. Bon. Je pense que ça fait partie des objectifs. On va commencer. Et relique souterraine. Par là. Donc, il va probablement falloir creuser. Il n'y a pas d'autres végétales. Ah, ça c'est minéral non organique. Ok, il n'y a pas d'autres végétaux. Ah, peut-être ça. J'étais certain que j'avais des reliques pérennes ici. Bon, ok. Et les reliques se déplacent. Puis ça disparaît. Donc c'est vraiment très souterrain. Que je creuse. On fait du minage.
oxygène. Cobalt, j'en ai acheté beaucoup. Le sodium, ça c'est pas négligé. Il y a de la vie végétale ici. Voilà. Botaniste. D'explorer. Il suffit d'explorer puis de saisir les opportunités. On a éliminé les plantes dangereuses, on peut aller récolter. Bon, étape terminée. Vortex mystère. 3 cubes collectés. Bon, ben au moins cette planète nous a permis de compléter au moins 2-3 étapes. Ah, ben bien, les plans dont j'avais besoin pour acheter mon... Acheter ici, là, ma raffinerie personnelle. Ces choses-là vont me permettre de... Ces plans-là vont me permettre de faire d'autres améliorations du moment que j'aurai les plans pour le faire. Bon, ben, il ne reste plus qu'à sortir d'ici. Ah, mais il me reste encore une récompense à récolter. Botaniste. Et la phase 5 avant les autres phases. Feu d'artifice x20 et un sac de varic. Ok. De la terre. Et ça, c'est un article de commerce. Économie de fabrication. C'est une marchandise considérée comme un matériau. Donc, on peut trouver un système. Avec une économie de fabrication, pour le vendre avec un bon bénéfice. Bon, ok. On peut pas y aller verticalement. Mais, hop. Je suis tombé. Et c'est bon. Donc j'ai pas mal. Ah, ok. Je n'ai plus d'oxygène. On va y aller avec l'oxygène. Est-ce que je suis en mesure de... Non, on prend du... d'ajouter de d'hydrogène. Non, pour loin du vaisseau où j'ai pas assez de dihydrogène. Oh, du cobalt. Je vais garder l'émeril pour me faire un... J'aurai les plans pour me faire un pulso réacteur. Non. Un pulso réacteur, mais un moteur de saut d'hyperpropulsion pour aller dans le système vert. Je me souviens bien. Bon, on va faire venir le vaisseau. Prochaine étape. Planète paradisiaque.
pas grand prédateur ici. Donc, férocité estimée à 20. Isotopique, non, ça c'est radioactive. Net couverte. Plus. Net pluvieuse. C'est là que j'étais avant. C'est d'aller voir la bête lieuse. Ah, j'ai scanné. Ok, c'est là que j'étais. Bon, ben, ça va aller retourner. On va aller sur l'autre planète. Isotopique. Ouverte. Et plus vieux. C'est bien ça. Bon, un vaisseau fugitif. Si je veux ramasser plus de nanites, ça me prendra une ferme nanite. Peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont bâtis ici. Hein? Un coin qui est un petit peu plus ensoleillé. si je me fie aux autres planètes... On devrait aller par là. Voilà. Des projectiles. Oh. Gel de survie. C'est toujours bon. Des crédits. Toujours bien. Non. Ok. Encore la créature tentaculaire. Oh, je dirais nu ici. Ok, bon. Donc, ça se termine cette vidéo. Whoop. D'être un petit peu plus dans la lumière. Voilà. Bon, ben, ceci termine cette vidéo sur No Man's Sky.
Expédition 11 le découvreur. La prochaine vidéo, on va poursuivre l'expédition. On va le mettre dans un autre système. Et aussi, je vais en profiter entre deux vidéos pour transférer des technologies que j'ai sur mon vecteur doré sur le pourpre L ou le pourpre I peut-être. Pourpre-I. En tout cas, on pourrait l'appeler le pourpre 1. Ah, son nom, pourpre 1. Mais d'ici là, je vous souhaite bon jeu et surtout portez-vous bien. Bye bye.